Aquaplay, nouvellement construite, qui remplace les fameux kids pool qu'on avait dans le passé. Aquaplay, dans le Aquaplay, et il y a le nombre de toboggans, le nombre d'activités a été multiplié par rapport à ce qu'on avait dans le passé. Ici, l'Aquaplay permet à la famille d'accéder. Donc, il n'y a pas que les enfants qui ont droit à la glissade, au toboggan et dans l'Aquaplay. C'est le seul endroit où les parents et les enfants peuvent enjoy au maximum. Alors, Constrictor. Dans le passé, il y avait deux attractions Giant Slide, les deux bleus. Donc, vous voyez, il y a un bleu qui est existant juste derrière moi. L'autre a été remplacé par le nouveau, qui est tout nouveau, qui s'appelle le Constrictor. Le Constrictor fait 125 mètres de long en serpentin. Mais il y a une première partie de cette attraction qui est complètement fermée. Après, on vient terminer la deuxième moitié de l'attraction. C'est complètement ouvert. Mais avec la recommandation des consultants de Whitewater, on est en train de remplacer tous les bassins de réception par les shutdown. Alors, le tout nouveau Body Slide qui remplace le fameux Multi Slide qui était là dans le passé. Mais le Body Slide et deux attractions tout nouveaux. Pareil, c'est comme le Black Hole. Le Black Hole, par contre, c'est un tube ride. On s'assoit sur une bouée. Ici, par contre, c'est un complètement fermé, oui, mais on y va sans bouée. Là, on permet aux gens de faire des courses entre eux parce qu'il y a un à côté de l'autre. Mais là, dans le bassin de réception, c'est toujours 1,15 m de profondeur. L'autre qui est à côté, ça existait toujours, le Crazy Family Ride. Là, on peut descendre en bouée simple, avec des bouées simples, ou avec des bouées familiales, family tube. C'est ça, 4 personnes peuvent être dedans, 2 adultes et 2 enfants. Alors, le Black Hole, Very High Speed Attraction, pour ceux qui viennent à la recherche de la haute sensation. Avant, dans le passé, c'était complètement pitch dark, complètement, vraiment noir. Mais là, avec la recommandation des consultants de Whitewater, on a échangé quelques secteurs de ce Black Hole au nombre de 6, ce qui fait que le Black Hole, il a une partie qui est translucente à l'intérieur. Donc ça, maintenant, tout le monde, avant, certaines personnes avaient crainte parce que c'était vraiment noir. Donc, cette attraction qui fait 125 mètres de long, on prend 24 secondes, 27 secondes pour certaines, dépendant du poids de la personne. Et on peut le pratiquer avec une bouée simple ou une bouée double. Ici, c'est un room qui nous design spécifiquement pour VR gaming et VR experience en gros. Donc, en tout, il y en a 9 différents gaming consoles.